Ce jour-là, quand son téléphone affiche numéro inconnu, Jennifer De Stefano hésite à décrocher. Mais comme sa fille de 15 ans se trouve alors en classe de neige, elle préfère répondre à l'appel. J'ai entendu la voix de ma fille qui pleurait, qui sanglotait, qui me disait « Maman !» Alors je me suis demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle disait « Maman, des types m'ont enlevé, aide-moi !» Puis un homme poursuit la discussion et réclame une rançon. Je suis rentrée et j'ai crié à l'aide. En quelques minutes, la mère de famille parvient à localiser sa fille qui se portait très bien et qui n'avait pas été enlevée. Elle venait d'être victime d'une arnaque. Une intelligence artificielle a réussi à reproduire la voix de sa fille. Si ces gens sont capables de pister ma mère et d'aller chercher de l'argent chez elle, ils auraient très bien pu rassembler d'autres informations et se lancer réellement sur mes traces ou celles de mes frères et sœurs. Ça m'a fait tellement peur. Vous connaissiez sans doute déjà les intelligences artificielles à l'écrit comme ChatGPT ou les générateurs de fausses photos comme celle-ci avec le pape François. Il existe aussi désormais des systèmes de clonage de voix. Il suffit d'obtenir un enregistrement audio de la personne que vous souhaitez imiter. Pas très difficile de nos jours. Beaucoup de gens ont une existence en ligne et ont déjà laissé une trace audio sur Internet, surtout les moins de 25 ans. Ça va donc devenir très difficile à l'avenir, dans ce monde avec de tels logiciels, de vérifier les identités. Moyennant seulement quelques dollars et quelques minutes, vous pouvez télécharger un logiciel. Même pas besoin d'être un génie de l'informatique, de nombreux tutoriels sont déjà en ligne. Alors là, on a essayé avec moi, il a suffi de télécharger un petit extrait de ma voix. Je rentre le texte que je veux faire dire à l'intelligence artificielle et voilà le résultat quand elle le lit. Bonjour, je suis Axel Monnier et je travaille sur un reportage pour le journal de TF1 ce soir. Bon, vous l'entendez, le système n'est pas très perfectionné en français, alors on va tester avec une personnalité anglophone. Vous allez voir ce que ça donne. Hello folks, I'm Joe Biden and I want to run for France next presidential election in 2027. Ah là, c'est tout de suite plus impressionnant, on dirait le vrai, et ça ne nous a pris littéralement que 4 minutes pour créer ce faux discours du président américain. Plus fort encore, certains logiciels font même la transformation de voix en direct. This artificial intelligence lets you speak with any, and I mean any celebrity voice in real time. Just tremendous, real time. Mais au-delà des possibles tentatives d'extorsion, ces fraudes vocales inquiètent aussi au plus haut niveau de l'État. En matière de sécurité nationale, vous pouvez avoir des espions ou des officiers qui utilisent ce système pour tromper. Ça peut parfois paraître évident que c'est un faux, mais ça prendra quand même du temps pour le vérifier. Le FBI a déjà alerté les Américains sur les dangers de ces nouvelles escroqueries. Car aux États-Unis, le nombre d'arnaques par appel téléphonique est en forte croissance. L'an dernier, 70 millions d'Américains en ont été victimes pour un préjudice estimé à 36 milliards d'euros.